Bonjour à tous, aujourd'hui Irina et moi allons vous faire écouter une œuvre de Giacomo Carissimi. Alors Carissimi est né en 1605, il est mort en 1674, on peut donc dire qu'il est né en même temps que l'opéra. Or, vous vous rappelez, l'opéra lui-même est né en partie eh bien, de l'intérêt pour un grand nombre de compositeurs italiens eh bien, pour la monodie. À la toute fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, on a voulu eh bien, retrouver la prosodie grecque, retrouver eh bien, l'idée antique en mettant la musique au service du texte. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui avec cette œuvre, Vittoria, composée en 1653, c'est de voir en fait ce qu'il y a de nouveau et en même temps ce qu'il y a eh bien, de commun avec les premières recherches de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle qui ont, permis l'avènement de l'opéra. Donc, je vous laisse tout de suite entendre eh bien, le début de cette œuvre en essayant eh bien, d'écouter cette recherche eh bien, de mise au service de la musique pour le texte. Eh bien, c'est qu'il y a loin entre eh bien, la rigidité de ce que imposait la théorie à la fin du XVIe siècle qui demandait eh bien, que, on ait seulement une note par syllabe pour bien comprendre le texte. Il n'y avait pas de répétition de texte puisqu'il n'y a pas besoin de répéter le texte. Il faut seulement qu'il soit dit d'un seul tenant. Il y avait également eh bien, une quasi impossibilité de vocaliser et d'ornementer. Alors évidemment, ces règles très strictes, elles étaient de la théorie, comme je vous le dis. Hein. C'est toujours comme ça lorsqu'on cherche un idéal. Et puis ensuite, on s'adapte et on se rend compte qu'on peut quand même ménager beaucoup de choses. Or, lorsque la polyphonie était à son apogée, les voix avaient appris avec art à ornementer de façon très structurée, de façon très codifiée. Alors, on vocalisait, il y avait des répétitions de textes, tout ça, ce que l'on pourrait un petit peu appeler la rhétorique de la voix, était très très important dans la polyphonie. Il était évident que cette tradition n'allait pas disparaître avec l'arrivée de la monodie. De plus, eh bien, la monodie, elle avait mis les projecteurs sur la voix soliste, sur l'épanchement des sentiments, sur ce qu'on allait appeler eh bien, l'hédonisme dans le bel canto, l'épanchement des sentiments humains. Il était donc impossible qu'avec cet épanchement des sentiments humains, eh bien, on n'ait pas recours à toutes les capacités de la voix à ornementer, vocaliser. Vous l'avez entendu, dans cette aria, Vittoria, le texte est répété. Il est dans les répétitions, il y a des vocalises, il y a de l'ornementation. On est donc eh bien, un petit peu éloigné des principes originels. Cependant, il est à noter eh bien, que d'une part, le texte est suffisamment fourni. Nous n'avons pas quelques mots qui sont répétés à l'envi, donc seulement pour donner eh bien, de l'intérêt à la voix. Non, il y a vraiment un texte important et puis il est déjà dit une fois de façon très distincte et puis ce n'est que dans la répétition que l'on va ornementer, vocaliser pour donner plus d'attrait. On a donc eh bien, quand même un intérêt porté au texte et puis la musique reste au service du texte. De plus, il y a des passages dits en récitatif. Donc, ces passages en récitatif sont plus dramatiques et évidemment, ils vont tirer beaucoup leur effet eh bien, avec l'alternance avec des passages plus mélodiques. On peut donc dire que le pari est réussi eh bien, de mettre la musique au service du texte puisque véritablement, eh bien, on a un texte important qui est transmis, qui est compris. Et ce qui est par contre vraiment intéressant avec cette œuvre, c'est de se rendre compte eh bien, qu'avec le temps, on a compris que si le texte eh bien, était porteur de sens, eh bien, la voix, elle a porté la persuasion.
On entend donc ici eh bien, qu'il y a véritablement une continuité avec les premières recherches de la fin du XVIe siècle, du début du XVIIe siècle, en mettant vraiment eh bien, toute l'importance sur le texte et sur la transmission d'un texte. Mais en même temps, on a acquis eh bien, la certitude que la voix ne pouvait pas être mise de côté. Elle n'était pas un instrument seulement, mais elle allait véritablement jouer un rôle majeur dans la transmission de ce discours. Voilà, j'espère que ces quelques éléments eh bien, de compréhension vous permettront de mieux apprécier la suite de notre présentation.